Comment déceler au mieux les humeurs, les intentions ou les besoins de votre compagnon à quatre pattes? Voici quelques éléments du langage utilisés par votre chat qui vous aideront à mieux le comprendre. Chez le chat, le ronronnement est signe de bien-être, mais les chats peuvent aussi ronronner quand ils souffrent. Comme par exemple lorsque les chattes mettent bas ou quand elles allaitent leurs petits. C'est l'expression d'un moment de bonheur autant que d'une poussée de stress. Il y a différents types de miaulements. Certains peuvent exprimer la demande, la peur, l'agression ou le contentement. Le message du miaulement peut s'identifier selon la situation dans laquelle le chat se trouve et par rapport à son attitude corporelle. Les grognements et les sifflements sont un signe d'agressivité. Le chat exprime son mécontentement et peut parfois les accompagner d'une agression. Si les mouvements sont lents, c'est signe de bien-être. Et si par contre il bouge sa queue rapidement, c'est un signe d'agacement. Quand les poils de sa queue sont hérissés, cela montre une contrariété. Il se sent probablement agressé. Lorsque les oreilles de votre chat sont bien droites, votre chat est calme. Quand elles sont pointées vers l'avant, c'est signe qu'il est attentif à une situation. Lorsqu'elles sont aplaties vers le bas, sur le côté, cela signifie que votre chat est agacé par quelque chose. Quand elles sont plaquées en arrière, c'est un signe d'agressivité. Un chat qui est allongé sur le dos et qui vous montre son ventre se sent tout à fait en confiance avec vous. Un chat qui a peur va se mettre en boule et se fera tout petit en mettant sa queue sous lui. Un chat qui fait le dos rond et qui hérisse ses poils de dos essaye de se montrer plus impressionnant et est prêt à se défendre. N'hésitez pas à prendre contact avec votre vétérinaire pour plus d'informations au sujet du langage corporel de votre chat. Thank you.